Cadre électoral par le CEP, le chef de l'État nommé par arrêté présidentiel Mathias Pierre, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Alors, soit fait quand ça, que le président Jovenel Moïse mandé et ONI pour le temps activé pour citoyens et en joindre Katio. Sénateur Yuri Latortue, qui est un spécialiste en question, puisque il écrit en pile, il fait en pile rapport, c'est lui-même d'ailleurs qui est venu à dossier d'Amalogue là pour montrer volume, quantité, irrégularité qui est dans le contrat ça, et montrer sans faille implication première dame là, non dossier pas doué concerné du tout. Alors, sénateur Latortue, tu es bas en conférence dans mi-temps semaine pour montrer même si mandat Jovenel pas fini, Jovenel prend le 7 février 2021, même si tu as un accord politique, l'étape difficile, l'étape impossible pour te gagner élection et dans date il tendait à parler là ni à faire référendum en avril, parce que au mois d'avril, selon sénateur et selon chiffre communiqué justement par ONI, eh ben c'est seulement peut-être 3,4 millions qu'a bien distribué. C'est peut-être juste l'année prochaine tout citoyen t'a cap bien carte, même si au té mette un rythme effréné tant que président de la République l'a mandé au nez, yo pas jamais té gain carte pour tout citoyen té aller aux élections. Et sous question ça, et sénateur Latortue dénoncé complicité juste avec pouvoir, c'est comme quoi li entendre avec pouvoir pour établir une dictature, parce que li dit donner ça yo que le bail là mini juste gain yo il connaît li matériellement techniquement impossible pour tout citoyen ta ka gen carte en avril ka pral rive là li matériellement impossible pour ça ta fait l'ONU l'ONU konnen mini juste donc konnen et pourtant yo pas dit un mot sous ça yo quitté Jovenel Moïse avancé sous terrain dictature sous terrain illégalité l'en prend décret en veux-tu en voilà sans yo pas freiner nan démarche si là. Alors parlant justement de décret pas oublié au niveau du Sénat de la République, du moins ce qui en reste, comme on connaît Jovenel depuis deuxième lundi de janvier était déclaré que gain deux tiers Sénat à l'ensemble avec la Chambre des députés. D'ailleurs, il n'a pas même pensé avec qui reste l'acte prêté, puisqu'il était parlé lui-même de caducité 50e législature. Alors, comme ça doit faire chaque année, au mois de janvier, gagnent un nouveau bureau pour tirer le Sénat, qui est composé de sénateur Joseph Lambert comme président et assisté de Kedler Augustin qui fait office de vice-président, et puis avec tout reste monsieur Tanko Garcia Delva et Ralph Etier qui complétait bureau. Si là, naturellement, sénateur Lambert, et selon toute information gagnée, et président Jovenel Moïse jouait pieds et mains pour sénateur Lambert, pas arrivé, il était voulu conserver même président s'il dort dans tête Sénat. En pile démarche, en pile causé dit dans la presse maintenant, président qui t'a joué même des sénateurs que le connaît à lié comme quoi c'est lui qui mène en politique, garder ça au fait, etc. Sénateur Lambert, première déclaration, c'était pour te critiquer décret ça yo en veux-tu en voilà, président prend et il te critiquer tout l'illégalité circonstances et conditions qui mettait sous pied conseil électoral provisoire si là qui paraît ton a qu'un norme président c'est lui qui choisit secteur qui doit représenter limite des secteurs qui partent même dans qu'on glaig un accord politique tant que la jeunesse diaspora c'est certain que nous t'ai a besoin de mais c'est non cadre un accord politique mon ça représenter secteur handicapé etc.
Et en plus, conseil ça, ils ont considéré le tant coup des usurpateurs de titres, puisque conseil là n'a pas prêté serment, Jean la loi mandé pour sa fête. Sénateur Lambert dénoncé question ça. Et sénateur Lambert qui parlait de dialogue politique qui doit faire, un accord politique qui doit trouver, mais pas pensé dans tête sénateur Lambert, elle parlait des accords politiques comme quoi son accord qui ca permettre sénateur président Jovenel Moïse aller au-delà de 7 février 2021, même s'il ne l'a pas dit ouvertement sénateur Lambert, mais elle connaît accord politique ça, c'est pour permettre une gouvernance politique après 7 février 2021, une gouvernance de transition. C'est ça. Sénateur Lambert entend justement par question de dialogue politique que le prônait et l'ikoué que ça pas qu'a fait dans des ordres. N'a pas rappelé que sénateur Lambert, dans déclaration ultérieure, a déjà dit que président Jovenel Moïse connaît mandat tout le monde fini, et il connaît le mandat tout le monde fini, il pas connaît qui le parle fini lui-même. Dans l'interview qu'il t'a bailli hier tout, côté journaliste l'a dit, songez, on l'a parlé de 2022. Il dit oui, ça t'est sorti dans la bouche li, mais depuis Jovenel Moïse t'es fini prendre décision pour le voyer deux tiers scénario aller. C'est clair que pas gain accord quand même en 2022 encore. C'est sénateur Lambert qui pratiquement et d'accord, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, et vraisemblablement à l'approche du 7 février 2021, on dirait que sénateur Lambert a sauté, même tweet président et sauté pour constater un vide au niveau de la présidence et que ce pouvoir est judiciaire là à travers CSPJ. Et puis, si au même si c'est un petit crasse qui était là-dedans, yo, que qui était sous question si là. Alors nous t'ai parlé de deux bagailles, décret illégal, un conseil illégal, en on dit gagner des groupes de citoyens dans société civile là, et qui représentait par exemple par Nouvelle Vive et Dauphin Denis Gérald François etc. avec un ban l'autre structure qui écrit chez juge d'instruction pré-tribunal de première instance de Port-au-Prince pour porter plainte avec constitution de parti civil contre les nommés Louis Axlex Noël, représentant du secteur des handicapés, Madame Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans coopératifs, Madame Guylande Mésadieu, représentante du secteur des droits humains, Monsieur Antonio Delille, représentant du secteur de la jeunesse, Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndical, Madame Esperancia César, représentante de la diaspora, Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes, révérend Guy Roméus, représentant des cultes réformés, Madame Marie Rosemène Joseph Pierre, représentante du culte vaudou, pour violation de la Constitution, usurpation de titres, escroquerie, association de malfaiteurs et faux et usage de faux, parce que Mounsayo qui prend CPA, yo dit en otage, yo fait en dehors de la loi parce que yo pas même prêté serment par devant la Cour de cassation pour siéger à un poste d'aussi grande responsabilité comme côté à engager l'État, engager des dépenses au nom de l'État. Donc, citoyens Sayo, organisation Sayo, particulièrement nous voulons vivre, porter plainte devant cabinet d'instruction contre citoyens et citoyennes Silla. Et puis, pas oublier, tout à l'heure, nous t'ai parlé de Joseph Lambert, qui voulait accord, qui dit le prêt pour le rencontrer, président, sous question Silla. Mais un sénateur, Patrice Dumont, qui rappelait sénateur à non correspondance que l'écrit que dans tout accord à parler au bon bagaille pour pas oublier mandat Jovenel fini 7 février Capvin là.
Et honorable Joseph Lambert, président du Sénat de la République en ses bureaux, honorable président, au préliminaire de la séance de renouvellement du bureau le mardi 12 janvier, vous avez cité quelques-unes des décisions autocratique hautement nocive pour les institutions de la démocratie de notre pays. Elles sont si nombreuses, les décisions autocratiques, comme les institutions qui en souffrent, y compris le Sénat de la République lui-même, que je ne peux les énumérer dans le cadre de cette missive. Vous êtes aussi engagé à rencontrer le président pour, avez-vous dit, faire valoir l'urgence d'un accord politique devant servir à une sortie de crise. En cela, vous faites preuve de constance, puisque depuis 15 mois environ, vous en avez défini un leitmotiv. Mais je vous rappelle que le mandat présidentiel de Jovenel Moïse prend fin le 7 février prochain, selon l'article 134.2 de la Constitution et le 239 du décret électoral du 2 mars 2015. Dans cette conjoncture, je vous exhorte donc à toujours vous rappeler aussi les disposition des articles 134.3 et 150 de la Constitution. Parer de cette armature constitutionnelle en harmonie avec les institutions politiques et sociales du pays sous l'œil vigilant du peuple revendicatif, le Sénat de la République, vous-même à sa tête, devra bien calibrer son action dans la recherche de cet accord. Nous devons nous ingénier à tracer la voie de sortie politique au président de la République le 7 février prochain, à moins qu'entre-temps il ne démissionne. Pour Dessalines et les autres, pour la jeunesse, pour la patrie, mes meilleurs sentiments. Paul, sénateur, Paul Patrice Dumont, qui écrit sénateur Lambert pour le dire dans tout accord politique, nous allons chercher. Hein? Pas oublier mandat citoyen fini 7 février 2021. Et puis, la coalition des acteurs de la société civile, puisque nous avons parlé d'engagement à prendre, rencontre à multiplier pour, ouais, s'il y a déjoindre une solution de sortie de crise, ils ont sorti un communiqué numéro 1 et information et positionnement de la coalition des acteurs de la société civile CASC. La coalition des acteurs de la société civile s'empresse d'informer l'opinion publique nationale et internationale conformément à sa mission de défendre le bien commun et se constituer en vigile des intérêts de la société haïtienne, qu'elle s'est engagée et s'engage encore dans la recherche d'une solution haïtienne consensuelle pouvant éviter le pire à notre pays à l'horizon du 7 février 2021, date correspondant de la vie de la majorité de la, des secteurs de la vie nationale à la fin constitutionnelle et du mandat du président Jovenel Moïse. En effet, depuis plus de 6 mois, cette plateforme multisectorielle composée d'organisations et personnalités de la société civile travaille avec les différents secteurs vitaux de la société à la recherche d'une solution patriotique et pacifique à cette crise qui tend à s'aggraver de jour en jour. Les résultats obtenus jusque-là sont très prometteurs et assez encourageants. La CASC se joint donc à toute initiative favorable à un accord politique interhaïtien avant cette date fatidique, conformément à ses objectifs fondateurs, visant entre autres à établir un espace de débat et de dialogue permanent entre la société civile et les acteurs politiques sur tout sujet d'intérêt national conformément à ses idéaux et valeurs, à renforcer les organisations de la société civile et accompagner les acteurs sectoriels dans leurs revendications, à appuyer toute initiative visant
un développement durable par la croissance économique, la création de richesses et d'emplois et le soutien à l'investissement. La CASC salue le fait que la quasi-totalité des secteurs de la vie nationale s'inscrit dans cette perspective. La CASC juge inopportune et inappropriée les récentes publications du décret sur le référendum constitutionnel par l'exécutif et d'un calendrier électoral par le CEP en norme. Ces agissements constituent un accroc aux multiples sacrifices patriotiques et citoyens déjà consentis pour solutionner souverainement cette crise. Il est temps de rappeler au président Jovenel Moïse, à son gouvernement et à son CEP, qu'Haïti appartient à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'ici et d'ailleurs. C'est le moment pour eux de comprendre et de reconnaître que ce bien commun ne peut plus être géré comme un bien privé. Car depuis 1986, au prix fort de sueur et de sang, le peuple haïtien a souverainement fait le choix de la démocratie comme régime politique. Rien ni personne ne pourra saper son choix, ni maintenant ni demain. Dans la stricte lignée de sa vision d'une Haïti juste, prospère, souveraine, fondée sur les valeurs démocratiques, civiques et patriotiques, la CASC entend continuer à accompagner sans réserve les citoyennes et citoyens et les acteurs organisés du territoire et la diaspora sur cette voie. René Préville, Joseph Président, Édouard Poultre, pour communication avec la presse qui signe notre ça, mes mains côté. Il a rappelé, président, que pays ça a nous gagné là pour nous instaurer la démocratie là-dedans. C'est en pile sang qui coulait, en pile sueur qui coulait. Donc, je vous dis, il n'a pas appartenu à un seul citoyen pour la décider de l'avenir, mettre ses pulls, l'a fait élection, l'a fait réforme constitutionnelle pour contre lui, sans pas gagner qu'un secteur dans la vie nationale la cavelle, et puis l'a foncé. Alors, moi, senti qu'on unité qu'a fait dans tout secteur, yo, parce que ce soit secteur politique, yo constamment réunion, y a essayé fond proposition, yo, nous voyons la société civile qui embarqué, nous voyons les syndicats aussi, il n'est pas facile pour yo, mais yo met tête yo ensemble pour yo sortir en note, côté yo dit collectif syndicat haïtien pour respect constitution 87 là, saluer la presse à toute reste population, hein. Collectif la saisi occasion pour rappeler président Jovenel Moïse à tout le monde qui n'a pouvoir là que peuple haïtien pas entendre quand pégadeo cap fini à pays à Jean yo rêvé. Malgré président utiliser pouvoir constitution en Bali pour craser toute institution yo craser assiette peuple là fouillé trou dans poche li nous pas quitter le fini ak base là qui c'est constitution 87 là qui représentait colonne vertébrale pays. Pour ça collectif là a pillé sans réserve déjà manifestation qui était faite hier vendredi 15 janvier 2021 et la participé dans tout mouvement qui visait faire respecter Constitution, hein, en particulier article 134.2. C'est ça que fait collectif là, avouer un message clé, bah, président, à tout membre gouvernement là, si on l'a toujours. Pas quitter quand le peuple arrive sous yo. Ranger paquet yo pour yo quitter espace la coupe à l'air. 7 février 2021 kap vini là sans gratter tête parce que peuple là pas bail prolongation c'est depuis dans temps réglementaire peuple là pral siffler match fini même Jean président te siffler à minuit pour sénateur et député.
Collectif là a rappelé pour président pas gain ni deux ni trois constitutions, c'est seule constitution 87 là qui debout et qui a resté debout. C'est lui-même qui détermine mandat pour tout le monde qui est élu. Peuple haïtien, groupe organisé, professionnel, timachan, paysan, professeur, ouvrier, étudiant, élève, moun quartier populaire, militant tout pato, sitou, militant chan masse, toute classe, tout l'âge, collectif syndicat yo di levé campé. Pas oublier ça qui est arrivé en 1957. Pas oublier fort dimanche, pas oublier valeur massacre qui était fait et qui continue à faire la Saline, Belle, Tokyo, Kafoufeuille et la Trier. Levé campé pour nous dire non à violation constitution. Pas oublier valeur petit nous frère nous action nous cousin cousine voisin ami qui kidnappé payer rançon touillé et puis jeté sous fatra à complicité pouvoir. Si n'a campé pour faire respecter constitution pouvoir a disparaître nous toutes et pour pas disparaître lever campé selon article 136 constitution président c'est premier monde qui doit respecter à faire respecter constitution et appliquer contrairement collectif l'a constaté ou ce premier monde qui a violé. C'est pour ça, nous camper ensemble, nous pral manifester pour respect article 134.2 constitution qui dit clairement mandat au fini 7 février 2021. Pour haïtien, on rete debout pour yo pas marcher sous nous. Vive constitution 87 là, monde qui signe pour COSACO 87, non, organisation, c'est Moïse, non, Moïse Thomas Aka, Saint-Fort Dieu Maître, PFNSTH, gagné Thomas Akami, RCTTH, Dominique Saint-Éloi, CNOA, Frédéric Jean Laveau, CNEH, Lenny David Fossep Haïti, Cherival Misline Fossep Haïti, Duclos Benissois Mut, Georges Franck Wilbert Unoé, Fontaine Régin Fossep Haïti, Télémaque Pierre Bataille Ouvrier, Camille Bassoul Bataille Ouvrier, Anelus Roberto Copra, Ilesma Gary, Bataille Ouvrier, Dorville, Marc, CTSP, Desardouin, Mackenson, CNOSH, Exalus, Marie-Lucie, Udes, Haïti, Mani, Vanesse Junior, Uestra, Dugé, Jean Duto, REEH, Juste J, Minéphar, Renapsap, Jean Réginal, SRODH, Théodore Sorel, SRODH, et puis Méhu Changé, CSTTH, APCH, qui signe notre ça. Côté, même s'il n'est pas facile, il a réussi à regrouper pour yo bail mot. La fusion des sociodémocrates li même tout et bay conférence dans semaine nan même jan nou te wè Mopod avec et tout dirigeant yo te réuni pour te bay conférence tout pour dire Jovenel Moïse mandat wap fini. Alors nan nan conférence et fusion yo te fait bilan d'une décennie de gouvernance catastrophique PHTK, côté au palais de pays a passé 10 ans en bas gouvernement bandit légal PHTK, 10 ans qui portait catastrophe sur toute la ligne, dans tout domaine, catastrophe économique, 3 ans croissance négatif,
5 millions haïtiens menacés par insécurité alimentaire, moun nan grand goût, moun pa ka paye kay, moun pa ka voye ti moun l'école, zéro investissement étranger dans pays a, plus moun tombé dans pauvreté, déficit budgétaire. Sans contrôle et obligé banque centrale à dépenser l'argent li pa gagnen pour soutenir goudla catastrophe institutionnelle parlement crasé la justice pa marché pa gagnen ni magistrat ni kazek ni azek catastrophe nan bataille contre corruption président lui-même dit le principal problème pays a c'est corruption et li pa fait en rien pour mener à colite lio qui volait comme Petrocaribea devant la justice au contraire c'est protéger le protéger en plus li mettait bâton en roue toute institution qui là pour lutter contre corruption UCREF ILCC cour des comptes catastrophe politique président qui gagne mandat pour qui gagne mandat pour veiller que toute institution doit bien marcher passer tout le sous pouvoir sans le pas jamais faire aucun dans cette élection constitution en prévoit pour le fait catastrophe dans sécurité gouvernement perdu contrôle yon bon côté dans pays a gang sel coq santé ak tolérance et même complicité pouvoir kidnapping assassinat massacre la Saline Belair pont rouge Kafoufeuille et la trier catastrophe nan crédibilité ak prestige fonction présidentielle la li bay peuple la trop menti personne pa prend salab di au sérieux effusion parler tout de combat pour respect constitution qui sont impératifs pour les démocrates haïtiens, combat pour démocratie, c'est un combat pour nous faire chaque jour, si nous pas veillatif, si nous plaider, quitter un apprenti dictateur, plaider, bafouer constitution, ça nous pas dit rien, nous saisi, ouais, jour levé au matin, nous fait bac et retourner dans la dictature tout bon. Constitution, c'est base démocratie, nous pas qu'à quitter au passé en bas pied. Président Jovenel Moïse, depuis le rivé dans tête pays, a montré li pa gen ken respect pour maman loi nou. Article 134.2 Constitution a dit clairement les élections pas faites dans date normale, quel que soit l'aile faite là, président élu a fait pour rentrer en fonction immédiatement et mandat commencé 7 février, année élection qui c'est 2016. Président pas fait ça. L'ipito était en 7 février 2017 pour le cas dit c'est laissa mandat a commencé comme donc faut que l'irrité sous pouvoir pour 5 ans jusqu'en 2022 exemple Martelly il était rentré dans mois mai le 7 février le 7 février arrivé il était comprendre il pas qu'arrêté jusqu'en mai pour boucler 5 ans liant bagay la clé coup de lecoq ouais pas ouais mandat Jovenel fini dans 20 non dit quinzaine de jours à partir de date ça li pas président encore s'il pas veut remettre pouvoir ça peuple haïtien a bien pour prendre responsabilité exigé pour constitution respecter crise politique nous la donne jodi an c'est résultat yon plan Jovenel Moïse t'es bien monté pour le cas seul chef dans le pays après Dieu. Comme ça, il a fait sale pipito sans contrôle, sans le paguer compte pour le rendre à personne. Il a méprisé la constitution, il a profité de l'absence parlement pour le prendre en banque avec un paquet de décrets pour consolider le pouvoir. Sans respect pour la constitution, li mette yon kep kap fonctionne sans le jamb brete seman. Yon gen tab bay calendrier. Aucun démocrate conséquent pa accepte participer nan aucun élection malachon y a préparé pour faire en faveur Jovenel Moïse ak PHTK. Pi gros sacrilège Jovenel Moïse fait contre constitution, c'est là li prétend dit li pral changer constitution, li te prêté serment pour le respecter et faire respecter. En plus, li décide li pral faire référendum pour l'habiller coup d'état là. Sa constitution a interdit formellement. Non combat
pour faire respecter la Constitution. On a rappelé le président à tout l'autre monde qui est là pour faire respecter maman loi pays. Chaque fois, il a violé l'article 21, relé sa crime ou trahison. Jodi a, demain, après demain, il y a bien pour yo répondre pour crime sa yo quand même. Alors, Fusion des sociodémocrates font invitation à tous les secteurs pour yo parler d'une seule voix en faveur d'une transition de rupture. Jodi a, en pile voix à pleuver, en pile organisation politique, tant qu'on a société civile là, secteur privé, l'Église, jeunesse là, Petro Challenger, diaspora, diaclé, ça, Jovenel Moïse a paré pour nous, nous pas accepter. Jodi a pas de débat encore sous affaire date 7 février 2021 pour mandat Jovenel fini. Tout le monde qui a bon comprendre et qui voulait éviter pays à tomber dans un kachou boumbe d'accord sous ça. Pas de route, pas de bois. Vle, pas vle, 7 février 2021. Femme l'an bout, faut que li remette Cléa. Tout le monde d'accord mandat. Président a fini 7 février 2021. Tout le monde d'accord, faut que procès Petro-Caribe a fait. Tout le monde d'accord, faut que procès pile massacre a fait. Tout le monde d'accord, faut que si tirance avec tolérance pour gagner avec ça fait kidnapping ça a fini. Tout le monde d'accord pour conférence nationale la fait pour nous 40 ans nous soyons véritable projet national. Fusion a planse yon la appel bay tout démocrate haïtien kap défendre même cause là kap di même bagay là mais chaque moun bo pa yo pour nous mettre nous d'accord pour nous dire ça ensemble si nous réussi fait ça nan jou kap vini la yo Jovenel ak tout secteur nan international kap si tire li yo ak sèt obligé tande voix peuple haïtien pisse gayé pa ki men. C'est ensemble pour nous faire message la sonner plus fort et aller plus loin. Nous pas gain l'autre choix après Jovenel fin craser toute institution yo, nous pas gain l'autre solution, c'est nan yon transition nous obligé rentrer. Faut que nous mettons nous d'accord nan jour k'ap vini la yo pour nous yo signer ensemble yon accord politique pour gouvernance yon transition efficace, apaisée et réussie. Et pour Fusion fini, ils lançons appel à la mobilisation générale de tous les segments de la nation en vue de contraindre le président et ses supporters à respecter la Constitution. Jovenel Genlè li coulé béton dans oreille li pour pas attendre rel peuple. Li prend pose avec pour pas li sa article 134.2 Constitution dit pendant jou k'ap vini yo tout citoyen conséquent qui remet pays a tout démocrate, toute organisation politique, tant qu'on a société civile là, droit monde, tout secteur privé, l'église, jeunesse là, Petro Challenger, famille, syndicalisme, mouvement paysan, diaspora, bal là nan tan nou, à partir de demain, vendredi 15 janvier, notre laté la veille, n'a pas rentré dans mobilisation manche longue pour nous forcer Jovenel remettre pouvoir dans 24 jours. Le 14, c'était 24 jours. Jean Constitution a mandé ça. Haïtien, en Port-au-Prince, tant qu'on a province, faut nous faire tant de voix, non? Faut nous participer massivement dans toute manifestation, dans toute marche pacifique. Sitting, mouvement désobéissance civile, Fusion a demandé toute coordination régionale à communale Lio pour mobiliser tout membre parti a pour participer en force dans toute manifestation yo, rentrer en contact avec l'autre militant parti qui n'en dire pas yo participer dans toute table concertation qu'a planifié et lancer mouvement yo. Fois ça n'a bien Birella juste Jovenel. Allez, la fusion des sociodémocrates haïtiens. Alors, nous pas oublier dans semaine ça, mes amis, nous pas oublier te gagné 12 janvier et on date nous pas besoin oublier, il est tristement célèbre parce que le fait le peine nous perdu en pile monde qui était important
pour pays ça en pile yo té en pile en pile en pile vraiment les noms yo passé dans tête non c'est de bagaille qui ban nous et en pile consternation pour dégâts catastrophe ça té causé sous pays a et les n'a pas une série de vagabond malandrin cap kidnapper touyer violer moun journée jodi a et puis nous dit tout nèg sa yo femme sa yo passé 12 janvier en un arrivé yo et puis pour nous perdre une série de cerveau une série de compétences c'est un bagage qui triste même si nous pas bien temps vini en détail sous travail extraordinaire ça que le réseau national de défense des droits humains fait et sous journée ça yo 12 janvier 2021 yo te font coup de projecteur sur les conditions de vie dans les camps d'hébergement et sites de localisation à travers pays a pour montrer un volume quantité moun qui continuait à vivre en et condition inacceptable et 12 janvier yo te dressé dans introduction hein yo parlé de 12 janvier qui sont séismes dévastateurs qui a évidemment ravagé plusieurs villes du pays notamment dans les départements de l'ouest du sud-est et des NIP causant le décès de 222,517 personnes la disparition de 300 000 autres et occasionnant des dommages financiers incommensurables 11 années plus tard, les marques indélébiles laissées par ce cataclysme sont encore très vives dans l'esprit et dans la chair de tous ceux et toutes celles l'ayant vécu. Depuis ce séisme, deux présidents se sont succédés à la tête du pays. Ils ont à chaque fois mené campagne tant pour l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées que pour le développement durable au bénéfice du peuple haïtien en général. Au lendemain du séisme, de nombreux camps d'hébergement se sont spontanément créés. Plusieurs ont été au cours des années hein, suivi le séisme, démolis soit par la force, soit par la base de programmes médiocres mis sur pied par les autorités étatiques, sont alors apparus les sites de relocalisation qui, selon le concept vendu à l'époque, devaient être préparés pour permettre aux victimes de vivre dignement. Aujourd'hui, alors 12 janvier, 26 camps d'hébergement et sites de relocalisation sont recensés à travers les différentes zones qui ont été touchées. 24 sont situées dans le département de l'Ouest, notamment Adelma, Léogane, Pétionville et Port-au-Prince. Les deux autres se trouvent dans le département du Sud-Est, notamment Jacmel. Parmi ces différents espaces d'accueil, le RNDDH a pu en visiter 21. Au cours de l'année 2020, il s'agit des camps d'hébergement et de sites de relocalisation et l'y identifier et l'y parler de organisation de la vie dans les camps d'hébergement et de sites de relocalisation, infrastructure, l'y parler de accès aux latrines, bah, ça n'a pas existé, situation sécuritaire exécrable dans les camps selon le RNDDH, et puis il parlait tout de accès à l'eau, c'est 19% des sites visités qui sont alimentés par la Direction nationale d'eau potable. Travail extraordinaire, accès à l'électricité. Le courant électrique est disponible dans 62% des sites visités. Accès aux soins de santé. Les résidents de 14% des sites visités affirment avoir accès aux soins de santé. Pour 4% des sites visités, les informations précises quant à l'accès des résidents aux soins de santé ne sont pas disponibles. Gestion de COVID dans les camps d'hébergement et des sites de relocalisation. Dans certains sites d'accueil visités, la population a été préparée et accompagnée pour
COVID là, par exemple, Cora et Seslez, une grande campagne de sensibilisation a été menée par la CACOA rouge haïtienne. Deux points de lavage obligatoires de mains ont été installés. Au Naville, deux points distincts de lavage des mains ont été installés et des masques de protection ont été distribués à Saint-Étienne. Un au moins au mois de mars, la mairie de Tarbes a installé une citerne d'eau, un baril et trois points de lavage obligatoires. À part ces trois sites d'accueil, aucune autre action d'accompagnement par les autorités des personnes vivant dans les espaces visités, accès à l'éducation. À proximité ou à l'intérieur de certains sites d'accueil, il existe des établissements scolaires, privés et publics. En effet, 19 des sites visités par le RNDDH disposent d'une école nationale et 15% d'un lycée. Tel est le cas, par exemple, du lycée Leslie François Maniga et d'une école nationale qui dessert les enfants de Honaville, d'une école communautaire qui dessert les élèves de Maudsol et du lycée René Prévalet d'une école nationale qui dessert les enfants de Corail, Seslez, une école nationale localisée au village Lumane-Casimir. En conclusion, 11 années après le séisme qui a frappé le pays, le 12 janvier 2010, les résidents des camps d'hébergement et sites de relocalisation vivent dans la négation de leurs droits fondamentaux. Il s'agit en fait d'environ 50 000 citoyennes et citoyens du pays qui font continuellement face à l'insécurité en raison des attaques armées qu'ils subissent d'individus qui tentent de les expulser ou qui veulent tout simplement avoir le contrôle des espaces qu'ils occupent. De plus, des citoyens et citoyennes oubliés par les autorités étatiques n'ont pas un minimum accès aux services de base, pas de latrine, pas de centre de santé, pas d'accès à l'eau de service journalier, encore moins à l'eau potable, l'électricité distribuée sur certains sites de manière anarchique, mais la vie des résidents en danger et la majorité des enfants en âge d'être scolarisés fréquentent les établissements privés qui sont souvent éloignés des sites, ce qui augmente les débouts pour les parents et par conséquent les risques d'abandon de l'école pour les enfants. Au cours de ces 11 dernières années, deux présidents issus du même courant politique se sont succédés à la tête du pays. Le premier, Michel Joseph Martelly, avait intensément mené campagne autour de l'accompagnement des victimes du séisme en vue de leur permettre de vivre dans la dignité. Pour sa part, Jovenel Moïse avait promis à toutes d'œuvrer au développement du pays dans l'objectif de permettre à chaque citoyen et citoyenne de manger à sa faim. Pourtant, le constat est patent. À vue d'œil, les résidents des camps d'hébergement et des sites de relocalisation pataugent continuellement dans la misère, dans l'insalubrité et dans un environnement susceptible de les rendre malades. C'est donc sous le regard indifférent des autorités étatiques qu'ils subissent la loi des individus armés et vivent dans l'irrespect total des articles 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, consacrant pour tous et pour toutes le droit à un niveau de vie suffisant, incluant la santé, le bien-être, l'alimentation, l'éducation, l'habillement, le logement, l'accès aux services sociaux nécessaires, ainsi qu'à une amélioration constante des conditions d'existence. Face à cette situation, le RNDDH invite la population haïtienne en général et celle des camps d'hébergement et sites de relocalisation en particulier à s'organiser pour exiger le respect de leurs droits à la sécurité, à la dignité, à l'assistance et à la protection sociale de l'État haïtien. Donc, un excellent travail que Mtaka dit que ont excellent travail et que ils ont fait pour le 12 janvier. Oui,
La police qui en note instructeur et moniteur de l'ENP, objet convocation, date pour manifestation 15 janvier. Lorensky, merci d'avoir observé pause là. N'a tourné tout à l'heure avec panel.